permet de retenir. Maître, vous venez pour le dossier concernant ces trois personnes qui viennent d'être interpellées. Alors dites-nous quel est votre d'abord constat au niveau de la DPJ ici. Est-ce que c'est ici effectivement ils ont été tout d'abord envoyés? Oui, je vous remercie. Je suis à la direction centrale de la police judiciaire depuis 15 heures passées, depuis de 15 heures passées, pour assurer la défense de M. Oumar Sylla, alias Fonke Mangue, et deux autres, et Bilo, Mamadou Bilo et M. Diani Alpha. Les trois ont été violemment interpellés. Vous avez vous-même vu les images qui ont circulé. Ce sont des images difficiles à soutenir. On ne pensait pas que tout cela devait se répéter dans notre pays. Vu tout ce qu'on a combattu depuis plus de 20 ans dans notre pays, l'injustice et l'arbitraire sur toutes ses formes. Donc, nous ne sommes pas contre qu'un citoyen qui a commis une infraction soit interpellé, interrogé et même conduit devant les cours et tribunaux. Mais notre problème est qu'il faut respecter les libertés, il faut respecter notamment la forme par laquelle les citoyens doivent être interpellés et interrogés. Mais le spectacle qui circule sur les réseaux sociaux est un spectacle ahurissant, un spectacle difficile à soutenir. Et c'est regrettable. Donc c'est ce qu'il faut déplorer, et surtout que dans le dossier, il n'y a aucune réquisition aux fins de comparution forcée. Légalement, quand un citoyen refuse de coopérer à la procédure de... Quand l'officier de police judiciaire ne peut pas le saisir, il refuse de comparaître par exemple, l'officier de police judiciaire peut recourir au procureur de la République pour avoir une comparution forcée. Mais en ce moment, la police est dans tous ses droits d'interpeller par la force un suspect. Mais violer cette importante disposition de l'article 54 du Code de procédure pénale, de but en blanc, se saisir manu militari avec toute la violence qui suit, ça ce n'est pas possible. Et nous n'allons pas tolérer cela parce que nous continuons à nous battre pour que vraiment la Guinée soit véritablement un état de droit. Donc tous ceux qui ont agi de la sorte répondront tôt ou tard. Nous avons vu ce qui s'est passé ici. Il y a eu des citoyens détenteurs d'une parcelle d'autorité qui se permettaient de n'importe comment ou de n'importe quoi. Mais ils ont terminé par répondre à la justice. Donc, les actes posés aujourd'hui feront l'objet de procès demain. Pensez-vous que cette méthode employée par les forces de sécurité dans l'interpellation est une réquisition du parquet? Non, ce n'est pas une réquisition. J'ai accédé au dossier, j'ai assisté à leur interrogatoire, mais je n'ai vu dans le dossier de la procédure aucune réquisition aux fins de comparution forcée. Alors que pour requérir directement à la force publique, il faut d'abord que plusieurs convocations restent sans effet et qu'une demande régulière soit adressée. Les rumeurs persistantes de leur probable arrestation ont commencé à courir en réalité hier soir. Aujourd'hui, elles se sont intensifiées. Donc, il n'y a jamais eu de convocation qui soit arrêtée sans réponse. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que ces trois personnes vont être déférées ou non? C'était notre souhait, mais à la dernière minute, apparemment, ça se fera demain. Demain, et nous souhaitons que tous leurs droits soient respectés et que M. Oumar Sylla
alias Funkemang et Abil Loba qui ont été blessés lors de leur arrestation, qui ont eu des conditions, soient référés à un centre hospitalier pour des soins. Au terme de l'audition, quelles sont les infractions retenues contre vos clients ? Bon, pas au terme de l'audition, parce que ça c'était déjà connu. Hein. Gianni était dans le collimateur depuis quelques jours pour injure contre les membres de la CENI. Et les deux autres, c'est hier seulement que véritablement la décision a été prise de les poursuivre pour injure et non-respect dû aux magistrats. Donc c'est sur ça que le travail a été opéré. Et aujourd'hui, que comptez-vous faire dans cette affaire ? Non, nous souhaitons que dès demain, nous allons saisir le procureur de la République, comme il fait déjà tard. S'il n'a pas déjà été saisi, il sera saisi. Mais notre souhait est que le dossier soit déféré dans les meilleurs délais. Merci beaucoup, maître.